au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à toi, mon frère, ma sœur, qui est debout ce matin par la grâce de Dieu. De là où tu es, tu peux déjà élever les mains, élever la voix pour louer le Seigneur, parce que dans l'introduction de la première lecture de ce jour, il te dit, en cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Bien-aimé, là où tu es ici et maintenant, en ce moment, lève-toi, fais ta valise, prépare tes bagages. Si dans ton cœur le Seigneur t'a dit que là où tu es n'est pas le lieu de ta fécondité, lève-toi dans la prière, prends tes affaires, prends avec toi ta famille, prends avec toi tout ce qui t'appartient. Mets-toi debout, mets-toi en marche, parce que l'Éternel te dit ce matin que tu vas réintégrer ta propriété. Si longtemps dans ta vie tu as été en esclavage, de quelque manière que ce soit, si longtemps dans ta vie tu as été là où Dieu n'a pas voulu que tu sois, bien-aimé, aujourd'hui est le jour de ta délivrance. L'Éternel, ton Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a dit, qui te dit ce matin, tu vas réintégrer ta propriété, la maison qui t'appartient, le lieu qui t'appartient, là où le Seigneur a décidé que tu sois, là où il a décidé que tu dois être, la terre de ta bénédiction, frère. Sœur, aujourd'hui tu vas y entrer. Aujourd'hui tu vas y entrer au nom de Jésus. La seule condition que le Seigneur te donne ce matin est que tu acceptes d'aller derrière son Fils Jésus. Accepte de marcher derrière le Christ Jésus. C'est Dieu lui-même qui vient te prendre par la main et te faire entrer dans ta terre de bénédiction ce matin. Alléluia. Comme il a fait pour le peuple d'Israël. Il s'est chargé lui-même d'aller en Égypte chercher ceux qui lui appartiennent, pour les amener là où il a voulu que son peuple soit. Ce matin, le Seigneur te prend par la main et il te conduit jusque là où tu dois être. Mon frère, ma soeur, prends ce qui est à toi. Prends avec toi ta famille. Prends avec toi ta nation. Prends avec toi tous tes biens, tes projets. Prends avec toi les rêves que Dieu a déposés dans ton cœur et que les problèmes ont fait endormir. Prends avec toi ce qui était dans ton cœur depuis des années. Ce que Dieu a mis dans ton cœur que tu devais faire, mais que tu as laissé tomber par manque de moyens, par manque de soutien. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur ressuscite tes rêves, ressuscite tes ambitions, parce qu'il veut que tu ailles quelque part. Et là où tu vas être, ce qu'il a mis dans ton cœur, tu le feras. Alléluia. Tu le feras et tu prospéreras au nom de Jésus. Au travers de ce que tu vas faire, là où le Seigneur va te déposer, des vies seront gagnées à Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons élever ton nom, te bénir ce matin, car tu es le seul digne. Tu es le seul, Seigneur, qui relève. Et ta parole, Seigneur, ne revient jamais à toi sans effet. Ce que tu as dit, tu l'accomplis toujours, Seigneur. Sous ma cristallina. Mom la yuo, mom la nya. Sayune, mom la yuo. Darte moi le rayu aduna. Sayune. Bien-aimé, ne tarde pas en chemin. Alléluia. Ne tarde pas en chemin, mais vite tes chaussures. Prends ce que tu dois prendre, parce que l'Éternel veut faire vite et bien. L'Éternel veut faire vite et bien. L'Éternel veut faire vite et bien aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Sayune mom la yuo. Yeah.
tu peux noter, marquer quelque part dans ton agenda ou sur une note que tu mettras dans ta Bible ce jour, en disant au Seigneur merci. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta restauration. Dieu qui te ramène là où tu es censé être en ce jour. Et que le Seigneur bénisse puissamment ta journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.